Est-ce que le corian résiste au chaud? On passe le test avec Fabien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Thomas de chez DefiTech. Deuxième épisode de cette série avec Fabien de chez Modeco. Bonjour Fabien. Bonjour Thomas. Merci beaucoup de nous recevoir. C'est toujours un plaisir. Véritable crash test ici. Voilà. Premier épisode, on a testé les tâches. Oui. On a tout fait. Tu m'as appris un truc en plus à la fin. Et là, deuxième idée à démonter, on va dire ça comme ça. Est-ce que le corian résiste au chaud? Alors, on a une cuisine ici en corian. On est en train de faire chauffer des petits trucs. On va aller chercher ça. D'abord, première question, est-ce que ça résiste au chaud en sortant la casserole? Alors, quand on va le faire vraiment, mais dis-moi d'abord. Le corian résiste à la chaleur. S'il ne résistait pas à la chaleur, on n'en mettrait pas dans une cuisine. D'accord. Comme la majorité des surfaces, il ne va pas résister aux trop hautes températures. Alors, vous allez poser une casserole bouillante sur le plan de travail, il ne va rien se passer. Vous allez le faire tous les jours au même endroit. Après un certain temps, ça il y a un risque de brûlure. Fissure, etc. Fissure, moins. Donc, le fait justement d'avoir un tiers d'acryle dans la matière le rend plus souple, moins dense. Donc, il va y avoir moins de risque d'avoir un choc thermique parce que justement, il n'y a pas cette densité qu'il y a dans les dans pierres. Dans les vraies pierres ou dans la céramique, par exemple. Voilà. Ici, donc, il va être plus souple. Donc, il va amortir un petit peu le choc pour ne pas créer une fissure et ce fameux choc thermique. C'est plutôt le risque d'avoir la résine qui brûle et qui marque le corian. Alors au cas où, mais ça on le verra dans un autre épisode, est-ce qu'on peut réparer le corian? Alors on va teaser oui, oui, on sait le réparer. C'est pas le but de vous dire qu'on peut le réparer, c'est surtout le but de dire il n'y a pas trop de soucis, il faut enlever un peu ce stress du corian. Voilà. En fait, ce stress qui pourrait être chez certaines personnes. Mais en fait, j'ai encore reçu un mail cette semaine, j'en nous disais oh là là, je veux pas que ça tâche, surtout pas de corian. Ben, on va un peu le démontrer. Donc, on a mis chauffer des trucs. On va aller chercher tout ça. Oui. Allez, c'est parti. Voilà, donc, on a fait juste la traversée de l'atelier. On y va dessus. On va laisser le temps. Voilà. Là, on va laisser 20, 30... Une minute, on peut laisser combien de temps? On appuie. Donc là, on a laissé le plat qui était à 220 degrés, donc le plat en verre avec de la sauce tomate dedans, la casserole qui sort du feu, on les a mises dedans. Alors, on répète d'abord toujours que n'importe quel plan de travail, utilisez des sous-plats. Mais c'est vraiment l'idée d'aller un peu plus loin pour dire on enlève un peu ce ouais, côté-là. Donc, on arrive, on va attendre la minute. Allez, juste pour le fun, on va attendre la minute et on va regarder ce qui s'y passe. Rappelle-moi d'abord la composition du corian. Donc, deux tiers de pierre, un tiers d'acryle. Donc, du trihydrate d'aluminium pour la pierre, un dérivé de la bauxite, et donc de l'acryle pour ce qui est de la résine. Une minute. Et le vrai, c'est Dupont de Nemours. On peut y aller, on va regarder ça tout de suite. 3, 2, 1. Alors, non, je n'ai rien. J'ai une toute petite trace ici. Oui. Le corian, est-ce qu'il est chaud? Il est chaud, mais oui, c'est tenable, tout à fait. Oui. J'ai une trace, mais qui, à mon avis, n'est peut-être pas due à la casserole. Bon, c'est déjà une table d'expo. Hein. Oui, oui, c'est ça, oui. Ici. Ça, c'est là. Trace, il faudrait... Mais en tout cas, non, le corian n'a pas fondu. Non. Il n'a pas fondu, il n'a pas brûlé dedans. Alors, dans quel cas ça pourrait brûler, par exemple? Alors, encore une fois, pose-moi un corian. La règle, c'est mettez un sous-plat. Mettez un sous-plat. Pour n'importe quelle voilà, matière. Excepté l'inox et la céramique, je pense, qui supportent des très hautes températures. Je le dis quand même au niveau de la céramique, par exemple, excuse-moi, je te coupe, pour une question bien simple, c'est que c'est pour les chocs, en fait. La céramique, on sait que moi, je trouve cette matière assez extraordinaire, mais au niveau des chocs, il faut toujours faire attention. Donc, on peut toujours laisser tomber un plat sur la céramique. Un pose-plat, ça reste de toute façon toujours utile. Voilà. Donc, mettez des sous-plats. D'une manière générale, le corian n'est pas garanti contre la brûlure. Donc, le corian a une garantie de 10 ans. Donc, oui, il est bien garanti par le fabricant, mais pas contre la brûlure. Donc, ici, on l'a fait le test une fois. On va le faire 10 fois. Il va rien se passer. Peut-être que la 15e fois, on va avoir une brûlure qui va marquer. Peut-être. Je ne sais pas. Ça va dépendre de la source de chaleur. Ici, on l'a fait au four. On est quand même à 220 degrés. On a perdu un peu de température en arrivant, bien entendu. Mais si j'ai une taque au gaz avec une casserole en fonte, par exemple, attention, si je la pose direct dessus, ça risque peut-être d'être un petit peu plus dangereux. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. Alors, petite question subsidiaire pour terminer cette vidéo aussi. Alors, ça, c'est pas préparé. Le recyclage du corian, est-ce que ça se recycle tout d'abord, le corian? Alors, nous, personnellement, on ne le recycle pas. Mais tu utilises tout, toi, par contre? On utilise tout. Voilà, c'est donc, ça, c'est très important parce que vous verrez, lors du façonnage, tu utilises toutes les petites chutes pour faire tous des petits trucs, en fait, autour. Voilà, alors,
on ne récupère pas 100% des chutes. Donc évidemment, il y a une partie de pertes qui rentre, évidemment, qui partent en déchets. Mais par des pierres, entre voilà, c'est ça. Mais c'est certain que la majorité des chutes, ben, on s'en sert pour tout ce qui est renfort, tout ce qui est doublure, latage, renfort, oui. Mais il n'y a pas encore une mise en place de tes déchets de Korian repartent chez Korian. Ils refondent ça, ils refont des plaques. En interne chez Korian, ils ont une politique quand même relativement écologique, dans le sens où certains coloris qui présentent des paillettes, ils récupèrent en fait des morceaux Korian qu'ils broient et qu'ils réintègrent dans la matière. Donc ce sont des matériaux recyclés en fait. Ce serait bien même dans l'avenir qu'ils aient cette certification au recyclage 100%. Oui. Donc voilà, merci beaucoup Fabien. Avec plaisir. Alors comme vous l'avez vu, ça résiste donc effectivement à la chaleur, une chaleur qui est limitée. Mais donc de l'eau bouillante et un plat de 120 degrés, ça résiste à la chaleur et non pas aux taches, comme j'ai dit en tout début de vidéo. Voilà. Ça résiste aussi aux taches. Ça résiste aux taches. Voilà, on l'a vu dans le premier épisode. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires. On va préparer, parce qu'on pour plein de gens qui nous posent des questions, enfin qui me posent des questions souvent, on tourne en fait effectivement toute cette série en un coup. Hein, voilà, j'ai un boulot à côté quand même. Donc on va maintenant passer à l'épisode numéro 3. On vous laisse la surprise. On est toujours chez Modeco. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.